Eh oui, coucou les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Mister Ghost, une chaîne exclusivement Lego, donc le 100% bien sûr. Donc là, nous découvrons les packs de level pack, justement. Level pack de ce que il y a exactement en saison 1. Je vous invite dorénavant à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager à faire des Lego, des vidéos Lego avec commentaire, bien sûr. De vous abonner si vous n'êtes pas abonné et d'activer la petite cloche qui va avec, pour voir les vidéos qui sortiront au fur et à mesure. Sur ce, je vous laisse découvrir le prochain level pack qu'on va faire, sauf si bien sûr vous avez vu la miniature avec la vidéo qui va avec, pour voir lequel. Ou sinon, voilà lequel on va faire. On va faire bien sûr le Docteur Who. Donc là, nous partons directement faire le niveau de présentation. Le niveau des présentations de Doctor Who, et je vais vous laisser en compagnie en entendant les Cinentech. Les Daleks tout crachés. Pourquoi cette obsession pour la Terre? C'est mon obsession normalement. Capsule temporelle détectée. Les ordinateurs de combat estiment à 97% les chances que ce soit le Docteur. Oh, je pense qu'on peut monter à 100%. Néanmoins, je vous en donne ma parole. Cette fois, le Docteur a 0% de chances de survivre. Dans le futur, ou du moins ce qu'il en reste. Qui d'autre que les Daleks pourrait provoquer un tel désastre? Nous devons trouver un moyen de remonter la rue. Je ne veux pas être en retard pour le pot surprise de bienvenue. Avec mon tournevis sonique, ces rideaux cassés ne le resteront pas longtemps. Donc voilà, nous sommes dans le Docteur Who, le monde du Docteur Who, et je vous avouerai franchement que derrière, je n'ai vu que la saison 1, et je n'ai plus suivi du tout Docteur Who. Un engin sonique multifonction d'origine Gallifréenne. Donc là, nous faisons la petite réparation tranquillement. En se rendant à une convention sur la tuyauterie. Je récupère quelques pièces, bien sûr, hein, pour... Les Daleks sont les maîtres de la Terre. Les Daleks sont les maîtres de la Terre. Les Daleks règnent en maître. Super synchro. Ce n'est pas un plaisir de vous revoir. Donc là, je fais le ménage et je n'y arrive pas. Un bouclier magnétique Dalek, et il est lourdement gardé. On ne passera pas en un seul morceau. Il doit y avoir une source d'alimentation dans le coin. Et on risque de tomber sur d'autres Daleks. Bon, bah, il me montre de démolir ça, je vais le faire. De la technologie Dalek, sans aucun doute. Si mes calculs sont corrects, et ils le sont, il s'agit de l'une des sources d'alimentation du bouclier magnétique. Donc, on fait la réparation et on casse tout. Tout doucement. Donc là, ils vont me faire mal, ils vont me faire mal. Exterminer. Reste ton calme, voilà des renforts d'Alec. Oh, comment il m'a fait mal. Nous ne pouvons rien faire de plus ici. Ah, il me fait mal, il me fait mal. À nous encercler. Alors, quelle est la prochaine? Il me fait très mal. Choisir, c'est renoncer. Voilà. Non, c'est là. Ouais. Bon, bah voilà. Donc là, nous allons faire la construction. Et la construction, il faut que je fasse le ménage avant.
Bon, comme d'habitude, hein, moi j'ai construit déjà d'avance pour éviter que je perde trop de temps sur les vidéos. Je vous invite à revoir la vidéo derrière pour la construction et en vidéo pour dire de mettre sur pause au fur et à mesure. Bon, moi c'est vrai que j'accélère un petit peu plus vite, mais c'est pour gagner du temps. Donc là, nous allons sauvegarder l'engin spatio-temporel. Donc, c'est fait. Et voilà. À mon avis, là, nous allons partir dans... Ok. Donc là, je suis à l'intérieur de l'engin spatio-temporel. Ah, et on enchaîne tout de suite la deuxième construction. Ok. Donc là, comme d'habitude, hein, je vais pas répéter. Je pense que mes amis, vous comprenez très bien ce que je veux dire par là. Par contre, dans les commentaires, si vous voulez que je passe plus de temps à faire, n'hésitez pas à le dire. Hein. Je suis tout à fait disponible à répondre à vos questions. Voilà. L'engin est tout à fait... Par contre, il détruit tout. Même les Lego argentés. Ok. Donc là, il faut que je vais en centre de Londres en 2015. Et c'est parti! Alors, à mon avis, les voyages entre le passé, le futur, le présent, on va y avoir droit. Mais c'est quand même bien fait. Au niveau graphique, je trouve que voilà, les hautes dimensions et une nette amélioration par rapport... On va comparer avec Lego Star Wars. On va retrouver la prochaine source d'alimentation pour désactiver le champ magnétique des Daleks. Donc là, je fais par un tour par là. Comme vous l'avez vu, il y avait une pièce violette. Alors, allons-y gaiement. Et bien entendu, hein, je fais le level pack de Doctor Who qu'avec le pack. Je ne prendrai aucun personnage pour dire de finir l'histoire. Malgré que, bon, voilà, je peux mourir. Une petite... Qu'est-ce qu'on va... Ah bah, on plante un arbre. Cool. Et le camion s'en va. Je pensais qu'on allait le détruire. Les Daleks ont imaginé de nouveaux subterfuges dans le Millimélo spatio-temporel. Ah, tu... Allez, allez, allez. Ah d'accord, ils reviennent à l'infini. Des souvenirs, mais vous savez ce que c'est. Tant de choses à faire, tant de planètes à sauver. Ils reviennent à l'infini. Donc, bon bah moi je vais là et je me sauve. Au revoir. Parce qu'ils font mal quand même. Hein. Je perds à chaque fois un cœur. Et il n'y a pas moyen de les esquiver. Et là, nous sommes revenus en 2025. Et ils vont peut-être me faire mal. Et ils me font mal. Et l'arbre est apparu. Voilà, c'est ce que je pensais. Non, 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 tu m'extermines pas. Alerte, intrusion, protégez le bouclier magnétique. Exterminez le docteur. J'obéis. Intéressant. Ce doit être un générateur à distance qui alimente le bouclier magnétique d'Alec. Donc là, je vais tout casser, il y a deux interrupteurs. Donc il faut que je remette
mon petit chien. Je vais dégager ça pour dire que vous voyez un peu mieux. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce que nous allons construire? Bon, comme je vois là, il y a un mini kit, je ne le prends pas, hein, c'est sûr et certain. Voilà. Je prends le premier. Et... donc j'ai un deuxième interrupteur à prendre. À... on va dire à rechercher. Aïe, il fait mal, hein. Voilà. Je reprends. Ouais, si j'arrive à me prendre sans les lampadaires. Et on part. Et on va partir dans les années. Et on part dans les années. Le mystère, parce que je ne sais pas. Le Londres de l'ère victorienne, les Guelfes, Wang Chiang, un dinosaure géant dans la Tamise. J'en ai vécu des péripéties à cette époque. Ce doit être l'hiver. Ce silence est étrange et cette neige a vraiment un air sinistre. Donc je vais enlever la cabine pour l'instant pour dire que voilà et ah bah d'accord, ok, ça fait fondre la glace directement. Voilà, ça c'est fait, on peut monter. Donc là il faut le mettre là et un deuxième tour. Et voilà. Donc là, on reprend la cabine. Je vais reprendre la cabine. Hop. On part dans les années. Et on va sûrement revenir là où c'était par rapport à l'activation du bouclier. Nous allons le découvrir exactement, mes amis. Ne vous inquiétez pas. Bien sûr, je disais, hein, si vous voulez des level packs en avant-première, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, même si c'est dans ce level-là. Hein, y a pas de souci, je peux comprendre. Et je peux essayer de m'arranger pour les introduire dans l'histoire. Donc là, ce que j'avais modifié dans le passé... voilà. Là, à mon avis, je désactive le bouclier. Je vais désactiver le bouclier et je vais pouvoir y aller tranquillement. Normalement. Alors, comment on fait pour y aller? Et je vais pas pouvoir y aller. Il va falloir que je reparte. Si je monte complètement. Non, ça marchera pas. Donc, il faut que je refasse un tour dans le passé pour rebouger la fenêtre. Bouger la fenêtre. Voilà. Donc il faut que je repars dans l'ère victorien pour bouger la fenêtre et de la mettre en est tout en haut sur la gauche pour accéder au deuxième fusible du bouclier. Voilà, et il faut que... voilà, c'est ce que je pensais, comme il nous l'indique le jeu. Bien sûr, là, il y a un mini-kit, donc je ne le prendrai pas. Je ferai pas. Voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de commencer à faire l'histoire sans prendre de mini-kit. Malgré que j'en ai déjà pris, hein. Ou peut-être.
Voilà, donc là, je peux revenir. Je vais mettre... Il est là. Et on va repartir dans les années 2025. Pour accéder au passage, justement, pour désactiver le bouclier, ça veut dire le casser et... le casser et casser les verres. Et nous aurons fait le deuxième. Et le troisième, il va falloir que je cherche. Parce que je ne l'ai pas trouvé. Lui, il me fait mal. Donc voilà, on va là. Je passe là. Il y a une pièce bleue, hein, je le prends. Hein. Ok, je prends les choses en main. En résumé, les sourcils disent que c'est moi. Mais il est où? Et je sais pas. Il va falloir que je cherche un petit peu, les amis. Protégez le dernier générateur. Je suis le docteur. On dirait que notre travail n'est pas terminé. Ce qui s'appelle descendre. Donc là, je fais un peu le ménage, hein. Voilà. Ah bah ça va, le troisième il est là. Donc j'ai même pas eu besoin de chercher, il est venu à moi. Restons directement. Par contre, je me suis fait détruire là. Par contre, je mange, hein. Voilà. Je monte dans ma cabine. Ah d'accord, ok. Alors, en plus, elle devient transparente. Cool. Complètement cool. Là, je vais désactiver le rayon pour passer tranquillement avant. Je veux aller là. Donc il va falloir que je casse ça. Et à mon avis, ça va être par rapport les plaques, non? Les plaques. Non, bon, donc c'est pas les plaques. Donc il faut que je recherche les plaques. Ouais, bon, pour passer, j'ai compris, il faut impérativement que je trouve les plaques. Aïe, 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 tu fais mal, hein. Donc là, nous allons nous envoyer chercher les plaques. J'adore la cinétique, là, je la trouve super belle, et bien faite, même. Dites-moi si vous êtes du même avis que moi, n'hésitez pas à le dire. Ah, normalement il n'y en a pas là. Ah bah, j'ai pas besoin de chercher, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Ah bah, ça va être un poussoir. Allez, vas-y, tout ce que tu fais. Bon, là, à mon avis, ça va être les plaques. Voilà. Bon, j'ai trouvé pour une plaque. Non, il faut... Désolé, les amis, j'ai un peu... oublié. Voilà, et j'ai trouvé... les deuxièmes plaques. Ça devrait aller. Maintenant, retournons au TARDIS. Et là, il va me renvoyer en 2025 pour exactement avancer. Je sais pas ce que c'est exactement et ce qui ça ressemble.
Je la trouve belle, franchement. Moi, je suis en extase devant cette petite cinétique. Ah, et il y a encore là-haut. Je vais déjà le pousser, voir un peu ce que ça dit. Je vais le pousser, on verra ce que ça dit après. Bon, après, il faut le temps, hein. Oh, et ils sont passés. Non. Voilà, pousse, pousse. Pousse, voilà. À mon avis, ça doit servir. Je dois... Eh, mais il m'a pas pris. Allez, hop, toi, tu te pousses. Ah bah ça va, j'ai pas besoin de refaire l'opération. Ça passe tranquille. Le dernier générateur par ici. Du verre à casser. Là, le troisième générateur, ça va, tranquille. J'ai pas eu besoin de le chercher, ça c'est... Ce qui m'intriguait le plus, que j'avais pas encore vu. Je peux utiliser cet appareil pour contourner la violette, le système de commande d'Alec. Je fais apparaître le chien. Non, il y a quelque chose qui cloche. Et là, nous allons pirater. Je sais, normalement, on peut le faire avec Benny. Le docteur. Voilà. Je fais celui-là avant de mourir. Bon bah, je vais devoir faire le tour avant qu'il me chope. Voilà. Je le mets au vert pour faire le troisième. Je vais attendre qu'il passe, hein. Bon, il passe pas. Il passe pas. Allez, vas-y, passe. Non. Allez, vas-y. Allez, passe, passe, passe. Voilà, j'ai fait le quatrième. Et voilà, c'est fait. J'ai fini. J'espère que les amis, ça n'a pas été trop long pour vous. Parce que bon, c'est vrai que ça, c'est un désavantage de Lego Dimension. C'est... La voie est libre. Il est temps de couper le bouclier magnétique et de mettre un terme à tout ça. Voilà, donc là, nous allons casser le troisième. Et... Il va falloir revenir au point de départ pour passer la barrière de sécurité. Ah bah cool, je suis déjà là. Ça c'est magnifique. Franchement... Il faut juste que je trouve l'origine temporelle de ce vaisseau. Allez, une dernière fois et j'éteins ce truc pour de bon. Détection d'un accès informatique non autorisé. Je ne faisais rien de spécial. C'était comme ça quand je suis arrivé. Vous avez peut-être changé de visage, docteur. Mais au fond, vous resterez toujours le même charlatan. Davros. Une mauvaise herbe peut-être, une herbe folle sûrement. Qu'est-ce que vous avez fait aux habitants de la Terre? Je leur ai offert un emploi différent. Les Daleks. Ils... Oui, docteur. Vos précieux humains. Enfermez-le dans une cellule.
pendant que je transforme une ligne de production d'Alec pour loger le corps du Seigneur du Temps. Ah, c'est ce qui s'appelle manger, hein. Je me mets à l'aise comme chez moi, d'accord? Entrez. À propos, je souhaiterais un réveil téléphonique à 7h et 2 œufs à la coque. Avec plein de beurre sur les mouillettes. Les Daleks, tellement prévisibles. Maintenant que je sais d'où et de quand vient ce vaisseau, je peux déjouer cette mascarade avant qu'elle ne se produise. Je n'en reviens pas. Ça ne devrait même pas être possible. Et pourtant, tout est possible dans Lego Dimensions. Moi, j'adore ce jeu-là. Donc là, à mon avis, je sais pas où je suis. Je vais prendre lui pour tout casser. Voilà, ça c'est fait. On peut casser et continuer. Oh, si tu me laisses passer, ce serait mieux. Et je fais quoi? Nous pénétrons dans les ténèbres. J'ai comme l'impression que toutes les réponses m'attendent à l'intérieur du TARDIS. Si tu me laisses monter, ça serait super gentil. Les anges pleureurs sont bloqués dans le quantum. Ne les quittez pas des yeux et ils ne vous feront pas de mal. Alors évitez d'éternuer. Ils sont rapides, plus que vous le croyez. Imaginez la chose la plus rapide du monde et oubliez-la immédiatement, parce qu'ils sont bien plus rapides encore. D'accord, ok. Bon, moi, là, je suis parti à un endroit qui construisait, hein, qui parlait, j'ai construit, j'ai un peu fouillé l'endroit pour dire de pas perdre trop de temps. Allez, avance, manette. Qu'est-ce que j'ai activé? Je sais pas. Ah bah. À feu. Ok. Je vais l'avancer, hein. T'as pu s'ouvrir la porte? Bon, ça n'ouvre pas la porte, mais ça va activer une flamme. À mon avis, il va falloir que je la pousse de l'autre côté. Et ça va peut-être ouvrir quelque chose d'autre pour activer. Ah bah non, ça brûle directement, bah, menu. Ça, c'est ce qui m'intéresse le plus, quoi. Voilà. Et on prend les petites pièces en même temps, les belles petites pièces bleues qui m'intéressaient beaucoup. Et là, ce que je peux faire. Non, donc il va falloir que je vais de l'autre côté. N'avancez pas. Passage. J'ai une cuillère et je n'hésiterai pas à m'en servir. Oh. Alors je fais le ménage, hein, mes amis. Après, sur la vie, c'est vrai. Je mets de... Bon, j'ai fini. Donc normalement, ça devrait... apporter, bon, sur l'ouverture, c'est encore mieux. Encore mieux que ce que j'espérais. Voilà. Ah, ils reviennent, en plus. Donc là... Ah bah j'ai un téléphone qui apparaît. Hop, voilà. Est-ce que je peux monter dessus? Et je peux monter et... J'ai construit une... Voilà, donc là à mon avis je vais pas sauter parce que... Si je saute pour gagner du temps, je vais tomber. Ah bah là je suis monté directement sur la rampe. Bon, ça a explosé. Non, il y a quelque chose qui cloche. Aurait-elle développé un défaut?
Bon, j'ai déjà construit une partie. Là, je construis le sol. Ah bon, ça va, c'est quoi de la construction? Là, ok. Là, ok. Ah, j'ai oublié la partie là, ok. Dites-le, hein, les amis, hein, s'il joue mal, n'ayez pas peur de le dire. Je suis ouvert à toute proposition. Bon. Et... on s'en va. On s'en va? Oui, on s'en va. Petit court passage dans... on va dire dans le TARDIS du passé, mais j'ai pas trop compris pourquoi. Alors peut-être que quand on fera le 100%, il y aura un passage secret qui va déboucher sur autre chose. Skaro, la planète d'origine des Daleks. On dirait qu'ils ont bien travaillé. La dernière fois que je suis venu, cet endroit était en ruine. Donc là, je vais... je vais construire... non, je vais réparer. C'est irréparable pour le tournevis Sonic. Là, il y a à casser. Je vais casser, mais... il y a quelque chose. Voilà, donc maintenant on peut activer. Le manipulateur d'Alec devrait être compatible avec ce commutateur. Non, je vous vois venir, ce n'est pas une ventouse. Ah bah... les Daleks patrouillent dans tous les coins. Gardez un œil sur les tours de guet à la recherche d'intrus. Les intrus seront exterminés. Ok, bon. Faire un plongeon dans les déchets toxiques des Daleks, très peu pour moi. Donc moi je continue, hein, je continue mon passage. Tant que je peux y aller, j'y vais. Hein. Ils font mal, quand même. Voilà, et... je fais quoi? Bon, attendez les amis, hein, je regarde. À mon avis, il y a quelque chose à casser avant pour activer. Non, ça c'est pas là. Si je reste comme ça les amis, qu'est-ce que ça fait? Et voilà. Bon, et ça sert à rien. Bon, j'ai quelque chose à faire avant. J'ai fait ça. Est-ce que c'est pas le gros machin? Non, ça marche pas. Et lui... est-ce que ça va passer? Bon. Ah d'accord, ok, il fallait vraiment être synchro par rapport à ça.
Ok. Donc là, il m'a renvoyé ça. Avec... Donc là... On fait ça, là... Lui, lui, là... Là, 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 et... Pardon les amis. Excusez-moi, je suis encore malade. Une simple question de polarité à inverser. Même une cervelle de pudding aurait pu s'en sortir. Donc là, je vais reprendre... Lui, il passe. Ah, bon, on passe plus. Ah, ok. C'est parti. Par fréquence. Voilà, ça c'est fait. Je l'avais pas vu lui. Ah mais... Allez pépé. Ah ben chaque fois je les mange hein. Voilà. Ah mais... Servir de ce panneau de contrôle pour contourner les commandes de ce Dalek, comme l'autre fois. Donc voilà, allez, nous allons encore pirater l'ordinateur. Le est prêt à recevoir. Ah là, j'en ai 8. J'en ai 8. Allez, vas-y, Clément. Voilà, lui là, 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 là. On y va pour le deuxième. J'ai le troisième qui est là. Je fais le troisième. Sauve-toi, toi. Hop. Voilà, lâche-moi. Je fais le troisième. Et je suis mort. Mais lâche-moi aussi. Le troisième, voilà le troisième. Là, j'ai contourne, hop. Il va falloir que je remets Docteur Who. Ah bon, je suis mort encore. Hein. Après, c'est vrai, c'est pas très au niveau organisation, c'est pas très ça quoi. Je trouve. Que là ils auraient pu faire largement un plus beau suspense de... Voilà, je reviens au rouge et à mon avis le troisième il est là. Et je fais, j'active le troisième, comme ça au moins, voilà, c'est fini. J'espère que ça n'a pas été trop long les amis par rapport à la connexion des piratages. Je sais pas où je suis. Je me trouve pas. Ah bah je suis là. Et je suis monté tout de suite à l'ascenseur parce que sinon ils vont revenir. Bienvenue dans mon nouvel empire. Ah Davros. Vous serez le premier à fléchir devant la toute puissance des Daleks. De vous revoir, Davros. Vous allez finir par être à court de capsules de sauvetage, non? Gloire à Davros! Gloire au grand créateur des Daleks! Après ce temps, mes Daleks trouveront enfin la place qu'ils méritent. Vous n'aurez pas autant de chance la prochaine fois. À l'attaque, les Daleks! Ah, je crois qu'on va faire baston! Bagarre! Ne me mettez pas en vogue. Vous n'êtes qu'un pitoyable insecte comparé à l'envergure de mes créations d'Alec. Oui, je sais, je sais.
Par contre, je mange cher. J'ai des cœurs en invisibilité et... Voilà. Comme ça, on a bougé tout. Arrêtez ça! Non! Activez le blindage d'Alec. Oui, je sais. Faut que je retrouve... Voilà. Non mais... Voilà, ça c'est fait. Je change de place, Docteur Who. Il va encore mettre l'électricité. Et... Vous avez commis une grossière erreur. Dalek, exterminé. Je vais remporter mon ultime victoire. Vous ne pouvez rien y faire, non. C'est la dernière fois que vous me faites ce coup-là. Oui, oui. Je vous anéantirai. Vous, cette misérable planète. Donc là... Je nomme la Terre. Ah non, d'accord, ok. Alors, là, voilà. Qu'est-ce que vous faites ? Voilà. C'est immédiatement. Les Daleks sont censés m'obéir. Ils vont m'obéir ! Non, non, j'ai... Attendez. Oui, je sais. Allez, allez. Allez. Et... Voilà. On recommence le même système. Voilà. Et... Ah, à mon avis, j'en ai encore une troisième fois à faire. Fait le troisième. Par contre, j'ai peut-être oublié. Et voilà. Note pour plus tard. C'est une très mauvaise idée d'orienter tous ces logiciels de ciblage en passant par le même nœud informatique. Détournement inopiné du ciblage des armes. Contrôle impossible. Contrôle impossible. Non. Arrêtez. Nous ne pouvons pas ignorer les commandes du docteur. Allez, on vient, docteur. Admirez l'explosion de votre flotte, Davros. J'espère que vous êtes bien assuré. Soyez mobile. À la prochaine. Et oui les amis, c'est déjà la fin de ce gameplay, de ce level pack, pardon, du Docteur Who. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous n'aimez pas, dites-moi pourquoi dans les commentaires. Ça m'intéresse aussi, parce qu'on peut toujours que s'améliorer et non rester sur Zenaki. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour savoir quand est-ce que les vidéos sortent.
Si vous voulez un level pack plus après celui-là, n'hésitez pas à le dire. Dans les commentaires, je suis ouvert. Vous pouvez me joindre aussi sur Facebook, Twitter et Instagram. Sur ce, je vais laisser continuer ça et on va visiter un petit peu le mode libre avant de vous dire à ciao. Maître, vos ordres. C'est comme... Comme se servir d'un manipulateur de vortex, mais en pire! C'est comme se servir d'un manipulateur de vortex, mais en pire! C'est comme se servir d'un manipulateur de vortex, mais en pire! Ah, tout compte fait quand même, je vais revenir vers vous. Je vous fais visiter le docteur Who. Je suis une femme lézard venue de la nuit des temps. Donc là nous apercevons la vraie couche, mais bon je vais pas la prendre hein. J'essaie de pas la prendre. Mais il est assez court je trouve. Assez court. Donc sur ce je vous dis. Parce que là derrière aussi il n'y a plus rien. Hein. C'est vraiment petit, je trouve. Je m'attendais à beaucoup plus grand. Donc sur ce, mes amis, je vais me poser. Voilà. Bon, bah, je suis posé pour tomber. Donc je vous dis à ciao et au prochain gameplay. Ciao !